la team. C'est quoi ça, Let them cook? Par contre, ça, Let them cook. Let me cook. Alors, upgrade d'être champion, dommage. Ok, on a une tire, une zone de... Bon. Ok, belle tire. C'est pas une game multi. Warrior. Ah, le Sea Warrior maintenant il est vraiment broken. Je me demande si la spat est pas genre incroyable. Mais... en fait, le problème de la spat Warrior, si tu veux faire kata 3 et le truc c'est que. Là, tu veux faire kata 3 et le problème c'est que tous les joueurs de ferry prennent des katas. C'est impossible de faire kata 3. Là, je pense qu'on va prendre tir, on va faire blue buff. On va jouer autour de cette Zoé du coup. Titidus, Gory. Juste bien. Salut, Sir Walrus. Du coup. Et ça. Et on fait deux blue buff, un pour Karma, un pour Gwen. Après qui va hold le deuxième blue buff, ça je sais pas, mais... C'est un problème pour... pas vraiment un problème en soi. Qui va hold ce deuxième blue buff? En vrai? Ok sur Cassio maintenant, non? Non, sur une Ahri. Bémol, c'est qu'il faut trouver une Ahri. Mmh.
En vrai, Cassio, maintenant, c'est ok avec Blue Buff. Elle a plus beaucoup de mana, elle casse, elle fait des dégâts sur ses 3 prochaines auto-attaques. Je pense que c'est ok. Ça hold correctement le Blue Buff en early. Pas ouf, mais c'est correct. Je pense qu'on veut de la front là. Hein. Donc je dirais Warmog. On peut faire Warm. Ouais, on peut prendre la Nykos, tester Sterak et mettre un 4 Witchcraft, maybe. Ah, c'était pas mal quand même comme play. Et ce que j'aime pas, c'est que ça split un peu trop les items. Split un peu trop les items. On remet ça. Hein. Ouais, d'un coup le start c'est déjà beaucoup plus correct. 4, 6, 7, mince, il me manque un gold, un palier. Oh mon dieu, les boards sont forts. Pas si ça passe, hein. Ok, nice. On croise le meilleur matchmaking là. Ah, quoique, attends. On le bat seulement. Oui, si on passe, non? Écoute, je craft. Oui, ça passe large. Ok, nice. Double blue buff sur ces deux-là, c'est incroyable. Il fait frais ce matin. Ah oui, il fait plutôt frais, ouais. Ok, il y a des vents de l'Arctique qui sont arrivés en Europe. Qui font qu'il fait froid. Encore une tire, beaucoup de tirs, toi. Archange Morello, ok. Morello, c'est pixel en vrai. Hein. Gauche, hein. Je vois pas de raison de ne pas bouger ici. Hein. On est giga strong là.
Épitaphe en 2, bof, hein. Trône en 2, bof aussi, hein. Avenge, c'est pas mal, je pense. Unleash, c'est ok aussi. Avenge ou Unleash. Ce Unleash, c'est bien. Un peu de l'affront en plus. Je pense qu'on peut passer en 4 Witchcraft. Je pense que c'est particulièrement fort. Maintenant. Le but étant à terme de jouer. Karma avec des warriors, mais voir un peu si on est comtesse déjà. Pas trop fait gaffe. Gold pour un HP, mais ça me va. Ah, y a reroll Cassio, reroll Nunu, reroll Dragon. Il veut jouer Olaf, je crois. Lui, je sais pas trop. Shape, attends, mais ils sont pleins sur Shape. Et Jing, je sais pas ce qu'il veut jouer, peut-être Karma. Ah, j'ai un bon early là. Plaisir. Attends. Terrifie cette même vie. Bien des nageurs dessus maintenant. Pokémon shape into spot shape. Super ça. Statique, adaptive. Statique ou adaptive, je peux pas faire un autre blue. Là, ça fait trop. Ok, adaptive. Y'a pas un mec qui avait Olaf avec. Il a pas juste pris Olaf. Le visage d'une paire d'Olaf. Je pense que c'est pas mal quand même. Encantor, Pureur, Canache, Shape, Shape, maybe. Shape et Et peut-être on vire Harry. Megalu à la place. Mais le problème c'est que si je fais ça, je perds tout le front. Non, je peux faire ça. On va juste mettre deux shapes. Ok. Middle of the night. Est-ce que Bard est mieux que Harry avec ses items? Je pense pas. Je pense que Harry avec Blue Buff est vraiment forte. Ok, il a pas réussi à s'infiltrer avec son Olaf. Mais je crois que son Olaf va solo mon board, non? Très peur. Il a failli s'infiltrer en plus.
Si mon chêne était parti à droite, j'aurais perdu le round. À 100%. La base de la comp c'est ça. Et après on peut moduler. En fonction de ce qu'on a. Ah j'ai encore une tire. Ok bon on va devoir faire un protector zoo. Je viens de faire un masque pour les 13 mois. Pas mal d'éléments de la comp, mais j'ai pas encore vu Karma. Preserver, Warrior. Ouais, non, on peut pas jouer Shape. Ça c'est sûr. Et on peut peut-être avancer maintenant. J'ai pas eu ce que je voulais, mais... J'ai eu d'autres trucs sympas. Hein. Pourquoi ils jouent tous la même chose? Il joue Olaf mais il l'a pas trouvé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai atterri dans un lobby de clones là.
Ils jouent tous la même chose. Qu'est-ce qui se passe? En vrai, c'est 2 gold. Je suis pas sûr de gold. J'ai jamais vu ça. En vrai, très honnêtement, j'ai jamais vu ça. Un lobby où tout le monde joue Shape. Je vous jure, j'ai jamais vu ça, genre. Tout le monde joue Shape. Shape, Nomzy, Shape, Nomzy. Shape, Cassio. Morgana 2. Ah, Golden Quest. Oh, Golden Quest! Wouah! C'est bugué, hein? C'est toujours 190 gold pour l'avoir, je crois. Faut oser cliquer dessus. Hein. Middle, c'est bien. Beaucoup de rise, zéro karma. Elle bosse, hein. Ah, il bosse, pardon, ce milieu. Non, on joue pas ça. Donc c'est Karma. Non, Last. Last de Zoé. Beauty and life. Magic. I
Ah, comment il fait pour arriver dans ma backline ce Olaf? GS. Honnêtement. Soit ça, soit Genzo Milo. Ouais, Genzo Milo. Ah, on aurait pu remove la. On aurait pu gargoyle et remove pour. Frying pan. On a fait rien de ça. Bah voilà ce qu'on joue. Sans Rixorat. Du Gwen 2. Alors... Ok. C'est tellement broken, Milio. Ah, Milio est tellement cracopé. Trop grave. J'aurais dû remove le Shroud pour le re-cheese au prochain tour.
Ok. Non, Shyvana a pas assez de dégâts pour tuer ma karma, elle fait juste que je lui générerai de la mana. On a proposé un joli snowball sur celle-là. Ce serait bien de concrétiser avec un top 1. Donc si j'ai pas un top 1, je serais un peu déçu. Je crois que j'ai une idée de comment me positionner contre lui. Ah bah c'était pas comme ça en tout cas. Ça peut passer quand même. La Fury en train de soloter sa backline là. Là y'a le dot qui stack. Ça va être assez. Non. Sacré truc c'est nul, 20k damage. Non. Ah, je sais pas trop. Bon neuf là. C'est une aberration ce truc. Hein. Honnêtement, c'est juste une aberration. Genre en fait genre t'es là tu fais une game quasi parfaite et genre tu peux pas tuer un Nunu et solo ton board. Je trouve difficilement les mots là. Tente une 3 star mais c'est ce que je fais en fait. Faut que tu ouvres tes yeux et que tu vois que je suis One of Gwen 3. Je la trouve pas la dernière en fait.
Mec a deux doigts de me dire de poser des unités sur mon board. Ben voilà. C'est dur. Voilà. Il suffisait de faire Gwen 3 en fait pour tuer ces nuits. Simple. J'avais pas vu les 8 Gwen, je viens d'arriver, my bad. Et pourquoi tu me donnes des conseils si tu viens d'arriver, genre. Ah putain, le mec vient d'arriver et il donne un conseil. Alors, il a pas vu la game, mais il donne des conseils, genre.